Salut les curieuses, salut les curieux. Nous voici dans un nouvel épisode de Paléo & Co, comme d'habitude, toujours accompagné de notre cher Julien Barbier, qui vient juste d'arriver de Paris. Ben oui. Et nous allons donc commencer cette saison 2021-2022 par de nouvelles vidéos, s'il vous plaît, en collaboration avec Graine de Savoir. J'avais oublié le nom de ma chaîne, c'est dingue. Et on a déjà fait un bon petit programme depuis quelques jours déjà. Voilà. Entre les parties de Jurassic World 2. Hein. Oui, même on a un petit peu joué aussi. Alors, on a beaucoup travaillé, on a déjà fait quelques vidéos. Mais... On a même travaillé avec des enfants. Ouais. Hein. Donc c'était plutôt pas mal. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de Jurassic World Evolution ? Moi qui suis pas très jeu vidéo, je trouve que c'était pas mal et qu'il y avait des belles reconstitutions, que les environnements étaient assez cool pour te mettre un peu dans une ambiance préhistoire. Avec tout de même des petites erreurs. Ouais, hein, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est les stars de Jurassic Park, Jurassic World, qui gardent la morphologie de ceux du film. Mais ceux qui sont pas forcément dans le film, ils ont des super belles morphologies avec des textures assez improbables, et des effets spéciaux, hein. Et oui. Avec des textures super sympas. Donc, Par contre, on a remarqué que pour beaucoup de théropodes, l'orientation des mains a été modifiée, donc c'est plutôt pas mal, sauf sur, bizarrement, le Vélociraptor. Voilà. Qui lui a toujours ses bras en zombie là en prognation, alors que les autres ont vraiment leurs pattes en supination, que ça soit le Coelophysis, donc tout nouveau dinosaure, l'Allosaurus, ça a été corrigé, donc sur la plupart, même le Tyrannosaure, ils ont changé l'orientation des mains, donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et bon, les textures et tout, l'ambiance du jeu, les paysages, et même la gestion, parce que j'en fais caca, comme qui dirait, c'est dur, hein. Ouais. Entre les tricés qui se battent tout le temps, les autres qui se fracassent une griffe, se cassent des côtes, se battent entre eux, les tempêtes attirent l'arigot, et sans oublier les scientifiques qui sont fatigués, qui se mettent en grève. Vous allez avoir de la gestion. Hein. Ouais, il y a de la gestion. Juste de l'image. Il y a de la gestion. Mais il va y avoir de la durée de vie sur ce jeu-là. Oui, je pense, parce que là déjà, j'ai déjà pas mal d'heures et j'ai l'impression de pas trop avancer. Mais on a bossé. Et donc revenons à nos moutons. Oui. Donc on va parler déjà de gros animaux. Ouais, on va vous présenter une conf que j'ai faite il y a longtemps sur le gigantisme, expliquer les raisons du gigantisme chez certains animaux, notamment les vertébrés. Et je crois que c'est tout. Ah non, je crois qu'on avait une petite annonce à faire à des collègues. Oui, à plein de monde et à des futurs collègues aussi. Souvent on dit oui, la paléontologie n'est pas assez mise en avant, les chercheurs n'ont pas de budget, c'est pas forcément reconnu comme d'autres disciplines scientifiques, ce qui est pas faux. Et on s'est dit du coup il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de gens qui montrent la paléontologie et pour que le grand public soit et de la paléontologie et s'y intéresse. Et donc, nous, on a décidé de faire un appel et de demander aux gens qui voudraient présenter des animaux, des dinosaures, des fossiles, et qui n'osent pas faire de vidéos ou ne pas avoir de chaîne YouTube, s'ils veulent, comme moi je le fais avec Guy Emmanuel, c'est-à-dire faire des vidéos en collaboration. Il y a beaucoup de vidéos en collaboration avec Fossil Vous Plaît, mais vous pourrez remarquer qu'il y a déjà eu Rodolphe Pazot qui a fait une vidéo sur Crézac. Il y a eu Benjamin, Chloé et Alexis. Voilà, qui ont fait une vidéo sur les faunes d'Amérique du Sud. Et donc du coup, ça permet d'avoir des belles collaborations sans que vous soyez obligé de faire une chaîne YouTube. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a plein de gens, pas forcément en paléontologie, mais dans toutes les disciplines, des gens qui font des chaînes YouTube, pendant 6 mois, ils font 5-6 vidéos, et puis après, il ne se passe plus rien. Parce que c'est un vrai travail de faire des vidéos, en plus c'est ingrat parce qu'on n'est pas forcément payé. Et donc c'est pour ça que moi par exemple j'ai une page Facebook, mais j'ai décidé de faire toutes mes vidéos YouTube sur la page de Guy Emmanuel, justement pour... Chaîne. Sur la chaîne. Chaque fois j'ai la page. À chaque fois. Voilà, de le faire sur la chaîne de Guy Emmanuel pour qu'effectivement on n'ait pas une sorte de nébuleuse de plein de petites chaînes de vulgarisation de science, alors qu'on pourrait en avoir moins avec plus de contenu. Parce que ça force, en fin de compte, le gars qui regarde les chaînes YouTube à aller piocher, chercher à chaque fois les nouvelles vidéos, alors que ça pourrait être sur un seul canal plutôt que sur plein de petits canaux.
Voilà. Et en sachant que la chaîne Graines de Savoir, c'est véritablement une chaîne de vulgarisation, et elle s'adresse même à des spécialistes, des ouais. gens qui aiment la paléontologie et qui sont amateurs, passionnés ou même professionnels depuis des années, voire des décennies, mmh. hein, pour les plus vieux, comme voilà. nous. Mais également à de jeunes passionnés, à de jeunes amateurs, et des gens qui commencent même à un certain âge à s'intéresser, comment dire, à la paléontologie, aux dinosaures et vraiment tout ce qui tourne autour même des sciences naturelles. Voilà. Parce qu'on parle aussi d'évolution, de concepts, de comportements d'animaux et tout ça. Donc c'est de la SVT. Mais bon, la chaîne Graines de Savoir est quand même beaucoup plus orientée quand même paléontologie, ouais. certes. Donc si vous avez envie de faire des vidéos sans vous investir comme youtubeur et que vous voulez parler de choses en paléontologie ou en histoire naturelle, ben, n'hésitez pas à contacter Guy Emmanuel ou même moi pour contacter Guy Emmanuel et puis on sera un plaisir de poster vos vidéos. Alors je sais pas, il y a un petit peu de vent, on entend un petit peu les vieutures, parce qu'on n'est ouais. pas loin de la 4 voies, hein. on est dans la campagne bretonne, mais on a une bonne petite route à peu près une centaine de mètres. Alors, je ne sais pas si ça va parasiter un petit peu la vidéo. Bon, mais on verra bien. Voilà. Donc sur ce, on vous laisse donc tout seul avec Julien hein, pour voilà. cette vidéo sur le gigantisme. Et puis comme d'habitude, hein, que la curiosité soit avec vous à tout jamais. Donc c'est parti, on y va pour le gigantisme chez les vertébrés. Alors justement, on va faire une petite mise au point avec les arthropodes, parce que ça on en parle souvent. On me dit souvent pourquoi les dinosaures, c'est l'exemple le plus commun, étaient aussi grands, parce que il y avait des taux d'oxygène plus importants. Et on me donne l'exemple des arthropodes, des insectes et par exemple des scorpions marins au carbonifère. Donc effectivement, il y avait des taux d'oxygène plus importants au carbonifère, et encore, vous allez voir. Et des tests ont été réalisés sur certains insectes. On les a boostés en oxygène, c'est-à-dire qu'on les a fait vivre en milieu suroxygéné, et ils étaient effectivement plus grands. Mais ils étaient plus grands d'entre 10 et 15%. Et voilà, c'est-à-dire c'était pas des augmentations, ça crée pas un gigantisme très très important. Et puis cet oxygène très important, c'est surtout à la période du Carbonifère. Et comme vous voyez, le scorpion marin qui est là faisait près de 3 mètres de long, il datait du Dévonien. Et le petit arthropode en bas, Capilocephalus, lui, a disparu au Permien moyen. Donc du coup, on n'est pas sur cette période d'oxygène du Carbonifère. Nous, à notre époque, on a aussi, avec nos taux d'oxygène, des animaux de belle taille. Hein, là, on a une araignée de mer, voilà, qui, c'est surtout les pattes qui créent l'envergure, mais qui est de beau gabarit. Puis on a une mygale, hein, qui est pour l'instant la plus grosse araignée de tous les temps. On ne connaît pas d'araignée fossile qui est plus grande que cet animal-là. Il y avait Mégarachnée, mais on s'est rendu compte que Mégarachnée n'était pas une araignée. Il y a deux diagrammes sur la droite de Berner. Alors il y en a un, celui du bas date de 1989, où on a souvent des taux d'oxygène inférieurs à la moyenne. Et puis il y en a un qui est mis à jour de 2006, où on voit que les taux d'oxygène sont légèrement plus importants que la moyenne, sauf à un moment au Jurassique. Et le Jurassique, c'est la période où on a des grands dinosaures, mais on a des taux d'oxygène moins importants. Et si vous regardez bien le diagramme, j'ai gardé le diagramme du bas parce qu'on voit bien les périodes, et puis que la tendance générale est la même. Au début du Carbonifère, on a des taux d'oxygène ressemblant à celui de notre époque, mais on a déjà des animaux géants. Au Dévonien aussi, on a déjà des animaux, des arthropodes géants. Et c'est à la fin du Carbonifère, on a une chute. Et au Permien, en fin de compte, on a des taux d'oxygène aussi importants qu'au Carbonifère, mais on n'a pas autant d'animaux de grande taille. Et on voit bien que les grands vertébrés, hein, dont on va parler, sont géants et sont à des périodes où il y a des taux d'oxygène moins importants que
que maintenant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi du coup ces animaux-là étaient aussi grands à cette période-là? Ben, c'est tout simple, c'est parce que les vertébrés n'avaient pas encore fait leur sortie des eaux, enfin si à partir du Dévonien, mais n'étaient pas très diversifiés, et les arthropodes et d'autres animaux avaient déjà conquis le milieu terrestre. Et donc c'était une niche écologique vacante. Et quand la niche écologique est vacante et qu'il n'y a pas de concurrence, on va dire que l'évolution, entre guillemets, se permet tous les délires qu'elle veut. Elle a pas, très peu de contraintes. Et c'est à partir du moment au Dévonien où les animaux, les vertébrés sortent de l'eau et commencent à conquérir le milieu terrestre, que là on a une concurrence avec les arthropodes, et que les arthropodes commencent petit à petit à perdre les niches écologiques des grands animaux. Voilà. Donc en fait, le gigantisme chez les arthropodes, c'est surtout lié à une absence de concurrence. Alors, deuxième idée reçue, l'influence de la Lune. Alors on dit souvent que la Lune était plus proche avant, ce qui est vrai, sauf que depuis le milieu du Crétacé, la Lune s'est éloignée d'un peu plus de 3000 km, ce qui n'est rien du tout en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune tourne autour de la Terre en faisant une ellipse, hein, ça ne forme pas un cercle parfait mais une ellipse. Et quand dans l'ellipse actuelle, la Lune est plus proche de la Terre, elle est plus proche qu'à certains moments quand la Lune était très éloignée dans son ellipse au Crétacé. Donc on a une Lune qui s'est pas tant éloignée que ça, et donc du coup, c'est pas ce qui crée des animaux géants. Et puis on voit bien que ben, les arthropodes géants du Carbonifère n'étaient pas aussi grands que des dinosaures, et la Lune était plus proche. Donc voilà, la Lune fait démarrer, effectivement. Elle peut avoir une certaine influence sur les plantes, voilà, ou des choses comme ça. Si vous voulez, vous allez au coiffeur en pleine Lune, ça vous regarde. Mais elle n'a pas eu d'influence directe sur le gigantisme des animaux, et sur souvent on parle d'attraction terrestre, de la gravité était moins importante à cette époque à cause de ça. Ça n'a rien du tout à voir. La gravité est toujours la même depuis tout le temps. Alors, on va commencer notre périple des vertébrés au Silurien. Alors, il existe des vertébrés bien plus tôt. On trouve des écailles de poissons au Cambrien, donc on sait qu'il y avait des vertébrés au Cambrien. Donc on a les fameux chordés comme Picaya, hein, qui datent du pré-cambrien, mais du vertébré, on suppose par quelques écailles qu'on en avait au Cambrien, et c'était après on en a aussi à l'Ordovicien, et on est sur des poissons. On peut encore parler de poissons à cette époque, hein, puisqu'il n'y a pas eu de sortie des eaux, des poissons qui ne dépassaient pas 30 cm. Voilà, on était entre du 1 cm à 30 cm. Et c'est à partir du Silurien, avec Megamastax, qu'on a un animal qu'on estime, je dis bien qu'on estime, à 1 mètre de long. Voilà, et c'est assez intéressant, puisqu'il fait partie de la famille des sarcoptérygiens, notre famille, hein. Et chez les sarcoptérygiens, ils n'étaient pas forcément les plus diversifiés au Silurien. Il y avait beaucoup plus de placodermes, par exemple. Mais notre premier géant chez les vertébrés, c'est Megamastax. Voilà, qui faisait 1 mètre de long. Alors, voilà, je vous montre encore un petit diagramme de la diversité des arthropodes marins. Et vous voyez qu'au Silurien, on a une chute des arthropodes marins, une chute de la diversité. Et c'est à partir de là que les crustacés deviennent majoritaires aussi. Et on voit bien que c'est à partir de là qu'on a une diversité du Silurien des poissons, voilà, des vertébrés, parce que les seuls vertébrés à cette époque-là, c'est les poissons. Et qu'à partir du Dévonien aussi, on a la deuxième ligne en rouge, là on a une diversité des vertébrés terrestres qui va commencer à arriver. Et puis du Dévonien au Carbonifère, on voit bien cette chute d'arthropodes marins de diversité qui est tout de suite mis en concurrence avec les vertébrés, avec l'explosion, la radiation des vertébrés. Alors au Dévonien, l'époque qui va suivre le Silurien, on va avoir des formes un peu plus grandes mais toujours marines. On va avoir beaucoup de chondrichtiens. Alors je vais pas dire requins parce qu'à cette époque-là c'est pas vraiment des requins. Donc en bas à droite vous avez Cladocélache, qui est un requin qui pouvait atteindre environ 3 mètres de long. On a des premiers tétrapodes
avec Ancostostega et Ictiostega, hein, des poissons, des tétrapodomorphes, on est entre le poisson et l'amphibien, qui atteignent entre 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres, voilà, de longueur. C'est surtout la queue, hein, vous allez voir que la queue a une importance dans la mesure de ces animaux. Et les plus gros animaux connus sont les placodermes, notamment avec Dunkleosteus. Donc là, vous avez un dessin de Dunkleosteus par Alain Beneteau. Et voilà. Alors, Dunkleosteus, quand j'étais petit, on l'estimait environ à 9 mètres. Et là, les estimations sont plus entre 9 et 6 mètres. Voilà. Donc, on a, voilà ce qu'on avait de plus gros dévonien, c'était Dunkleosteus entre 9 et 6 mètres. Et on a trouvé au Maroc, alors j'ai pas le nom de l'animal, mais quelques restes qui feraient qu'il y ait eu des placodermes un peu plus grands que Dunkleosteus. Toujours dans cette fourchette de 6 à 9 mètres. La période qui suit le Carbonifère, on voit disparaître les placodermes et d'autres animaux prennent le relais. Alors on a toujours des tout en haut là, encadré en noir, des tétrapodes qui même perdent leurs pattes et où ils ont des toutes petites pattes avec Crassiriginus et qui mesurent 2 mètres. On a des chondrichtiens, donc pas encore des requins. À proprement dit, qui faisait environ 6 mètres de long, donc la taille de Dunkleosteus. Et on a le plus emblématique du Carbonifère en termes de taille, qui est Rhizodus. Rhizodus qui est estimé entre 6 et 8 mètres, hein, spécimens qui ne sont pas complets. Et là, vous le voyez, alors dans ce magnifique dessin d'Alain Beneteau, enfin les trois dessins sont d'Alain Beneteau d'ailleurs, et où il est en train de manger un tétrapode. Et qu'en est-il des tétrapodes à pattes du Carbonifère? Ben là, voilà, nous avons des animaux qui sont encore inféodés au milieu aquatique, qui mesurent entre 1 mètre, 2 mètres, au maximum 3 mètres de long avec Megacephalus, et qui sont pas encore bien adaptés au milieu terrestre. D'ailleurs, aussi Nodus, c'est le premier cas connu de fracture de l'humérus. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est baladé un petit peu en milieu terrestre. Il n'est pas profilé pour le centre-ville, hein, comme je dirais. Et donc, il s'est cassé un fémur. Et on a cette preuve de... Voilà, donc c'est des animaux qui ne sont pas encore adaptés très, très bien au milieu terrestre. Hein, et c'est encore, comme je disais, l'apanage des arthropodes. Et c'est seulement à partir du Permien où on va avoir un gros basculement. Et ce basculement est surtout lié à des animaux amniotes, hein, donc qui n'ont pas besoin de faire ce retour à l'eau pour se reproduire. Et chez les amniotes, donc des animaux qui pondent des œufs sur terre, on va voir apparaître des animaux de plus grande taille, et notamment dès le début du Permien, on a Dimétrodon qui peut être estimé jusqu'à 4 mètres, on a Tapenosaurus qui lui aussi, par des restes incomplets, est estimé à 5 mètres 50. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez ces animaux, parce que 5 mètres 50 c'est déjà assez énorme, la moitié du corps c'est la queue. Vous voyez sur le dessin ici, l'illustration de Mazan du Dimétrodon, ben oui, il fait 4 mètres, mais en fait, il fait 2 mètres. C'est juste que la queue est très très longue. Et vers le milieu du Permien et la fin du Permien, on va avoir d'autres animaux. Ici, les thérapsides. Et chez les thérapsides, on va avoir, je vais pas parler de toutes les familles de thérapsides, on va avoir des animaux qui vont faire plus de 3 mètres, comme les gorgonopsiens. Voilà, qui vont atteindre environ 3 mètres, mais avec des queues plus petites. Donc là, le corps fait réellement 3 mètres de long. Donc voilà. Et on a, je pense, le plus gros thérapside connu, qui est Titanophoneus, avec un crâne énorme, de plus de 60 voire 80 cm, je crois. Et avec ce crâne, et en comparant aux autres dinocéphaliens, c'est le groupe auquel il appartient, on estime qu'on a un animal qui peut faire 5 mètres de long. Mais là, c'est vraiment 5 mètres de long, sans trop compter la queue, voilà. Donc là, on commence à avoir des animaux de grande taille. Et ce qui est important, c'est que ces animaux-là sont souvent semi-érigés, n'ont plus le ventre à terre. Et effectivement, quand on n'a plus le ventre à terre, il n'y a plus de frottement, en fait. Et effectivement, on peut se permettre de la longueur, parce que quand on est ventre à terre, qu'on devient très très long, très très grand, les pattes ne supportent pas le milieu du corps. Et donc là, quand on commence à s'ériger, on a forcément un animal qui supporte tout le poids de son corps sur ses pattes, et ça permet d'être beaucoup plus grand, en fait, que si on est toujours ventre à terre. Alors vous allez me dire, il y a des crocodiles bien plus grands, mais les crocodiles, eux, sont semi-aquatiques, et s'adaptent mieux, sont grands à cause du fait qu'ils soient dans l'eau.
parce que dans l'eau, justement, avec la poussée d'Archimède, on n'a pas les mêmes contraintes que sur Terre, de devoir supporter son poids. Et donc, le fait d'avoir les membres qui commencent à s'ériger, vous allez voir qu'au Trias, ça va donner beaucoup. Alors, ah oui, j'avais oublié justement, on parlait encore de l'eau et de la capacité de l'eau à nous permettre d'être plus grand. Ben, au Permien, on a Prionosuchus, qui est un thamnospondyle, donc un amphibien, qui est de très grande taille, hein, qui est connu par un crâne, et les estimations nous donnent un animal de 12 mètres de long. Les estimations ont été réduites encore, parce qu'on a toujours tendance à agrandir la taille, exagérer la taille des animaux. Et là, on a un animal qui fait quand même, on estime, entre 8 et 9 mètres. Quand la galerie de paléontologie rouvrira, il faut savoir que le Sarcosuchus qui est présenté fait 9 mètres 50. Donc il faut imaginer que vous aviez un amphibien de cette morphologie-là qui faisait 9 mètres 50 au Permien. Voilà. Donc le plus grand vertébré du Permien, c'était sûrement Prionosuchus, voilà, avec ses entre 9 et 12 mètres de long. Mais comme je vous dis, lui vivait dans l'eau, et dans l'eau, on a une meilleure capacité à être grand, puisqu'on n'a pas les contraintes de la gravité sur le sol. Alors, au Trias, on a cette fameuse crise Permien-Trias, hein, qui est connue pour être la plus grande crise biotique de tous les temps. Et donc, du coup, ces grandes tailles vont disparaître. On va surtout avoir des animaux très petits qui vont survivre. Mais à partir d'une dizaine de millions d'années, on va avoir déjà des animaux d'une certaine taille. Et au bout de 20 millions d'années même, on va avoir les premiers Rahusikiens. Et chez les Rahusikiens, on va avoir des animaux qui, avec Postosuchus et d'autres congénères, des animaux qui vont être quand même estimés pour les plus grands à 10 mètres. Un T-Rex, c'est 13 mètres. Hein. 12-13 mètres. Et bon, là aussi, ça va être revu à la baisse, mais on aura quand même des animaux entre 6 et 8 mètres, hein, pour Postosuchus. Et là, ils vont avoir une érection des membres spécifiques à ce groupe-là, donc on va pas trop en parler. Mais là, ben justement, on n'est plus du tout ventre à terre, jamais, et même au repos. Et ça va permettre, on a une queue qui sert de balancier, donc la queue a vraiment une importance dans la taille, cette fois, elle traîne pas juste par terre. Et on va avoir des animaux qui vont pouvoir atteindre de très très grandes tailles. Voilà. Et donc ça commence dans cette lignée qui va donner plus tard les crocodiles. Donc on va avoir des animaux, ben, vous voyez sur le dessin, là, on a bien un animal qui fait 6 à 7 mètres de long avec la queue, et qui est érigé sur ses membres, et l'érection des membres va permettre justement des tailles assez plus conséquentes qu'on le voyait sur le milieu terrestre dans les périodes passées. Alors toujours au Trias, dans la lignée des synapsides, donc notre lignée qui va donner les mammifères, on a eu des cousins appelés les dicynodontes, et chez la fin du Trias, chez les dicynodontes, on a eu de très grandes tailles, des animaux avec une morphologie très très robuste. Vous voyez en bas, on a le fémur ici, dont le col du fémur est complètement noyé dans l'os, et on ne fait pas trop de différence entre la taille du col du fémur et du fémur en lui-même, hein, donc ça montre des os très très robustes pour supporter le poids. Et on a aussi des bassins qui sont très conséquents. Alors vous allez me dire, ici sur le dessin, ce sont les parties en blanc qui ont été retrouvées, et les parties en noir sont pas connues sur cet animal. Mais on connaît d'autres dicynodontes américains dont on connaît le bassin, et on voit que ces animaux-là ont créé un bassin très très large pour pouvoir soutenir justement le reste du corps, et justement et des membres très très massifs justement pour soutenir le corps. C'est une méthode qui est utilisée pour supporter le poids, c'est avoir des os vraiment très très larges pour supporter le poids. Vous allez voir qu'il y a d'autres techniques, hein. Et ça permettait à ces animaux-là qui digéraient des plantes, donc qui avaient, comment dire, un ventre relativement gros, hein, d'avoir un ventre qui ne touche pas le sol, et de pouvoir manger. Donc ils avaient une contrainte liée à l'alimentation, et c'est des animaux qui pouvaient faire la taille. L'Isowisia, c'était un animal qui n'était pas encore de la taille d'un éléphant d'Asie, mais qui était entre un rhinocéros et un éléphant d'Asie. C'est-à-dire qu'il devait faire entre 2 mètres, 2 mètres 50 au garrot. Ça fait quand même une belle bête. Et toujours au Trias, hein, j'allais me faire tirer les doigts si on parlait pas des prosauropodes.
Alors voilà, des prosauropodes, en plus on en a en France hein, aussi. C'est les, alors selon les auteurs, ce sont ou les descendants, les ancêtres pardon, des sauropodes ou une lignée cousine. Hein. Et c'est des animaux qui étaient encore bipèdes, qui étaient bipèdes facultatifs ou quadrupèdes facultatifs selon les auteurs. Et ils, comment dire, ben, ils pouvaient atteindre des longueurs de 8 mètres de long. Alors toute cette jolie faune que je vous ai présentée ici, prosauropode de 8 mètres, dicynodonte de la taille d'un éléphant ou rauhifikien de plus de 8 mètres de long, vont disparaître à la crise Trias jurassique. Et ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler des animaux aquatiques au Trias parce que voilà, il y avait encore des temnospondyles. Alors un petit peu moins grand, on a Mastodontosaurus. Mastodontosaurus, c'est un amphibien qui vivait un petit peu comme un crocodile et qui pouvait atteindre 6 mètres de long. Alors je vous ai mis une très vieille illustration de Knight, parce qu'elle est très intéressante. Souvent, Mastodontosaurus, parce qu'il vit dans l'eau, on lui fait une queue crocodilienne qui lui permet de se propulser. Sauf que c'est un animal qui n'a pas de lépidotriche, c'est-à-dire c'est des petits rayons osseux sur la queue qui lui permettent de se propulser comme on a chez beaucoup de temnospondyles. Et lui, il n'en a pas, donc il avait vraiment cette morphologie avec une petite queue. Bon là, on l'a fait un peu gros comme ça parce qu'à l'époque, on supposait que c'était l'ancêtre direct des crapauds, ce qui est faux d'ailleurs. Et quand vous voyez le reflet de l'animal dans l'eau, ça fait vraiment plus penser à un crapaud. Mais non, non, c'était vraiment un temnospondyle qui a pas un groupe de temnospondyles, les stérospondyles, qui n'ont pas laissé de descendance. Et c'est un animal qui vivait bien comme un crocodile et il avait même ce qu'on appelle des foramens prémaxillaires, c'est-à-dire des trous dans les prémaxillaires pour pouvoir loger les crocs de la mâchoire du bas. Donc c'était une sorte d'agrafeuse géante de 6 mètres de long. Et au Trias, on a aussi comment dire, une forte radiation des vertébrés pour la vie aquatique. Et notamment avec les ichthyosaures. Et chez les ichthyosaures, à la fin du Trias, on a plusieurs ichthyosaures de très grande taille et on a Chonisaurus qui pouvait atteindre 20 mètres de long et qui était ben, depuis le Cambrien, on n'a pas connu plus grand. Voilà, donc du Cambrien au Trias, on a comment dire, Chonisaurus qui est le plus grand animal de cette période. Il est connu par un spécimen quasi complet, donc on a une vraie idée de sa taille. Hein, c'est pas des mesures. En fait, on va dire au doigt mouillé, hein. On a vraiment on sait que cet animal faisait 20 mètres de long. Donc on commence à avoir des animaux de la taille d'une baleine. Donc comme je vous l'ai dit, on a là aussi la crise Trias-Jurassique et on va voir disparaître donc les gros animaux terrestres que je vous ai présentés. Chez les ichthyosaures, on va avoir des ichthyosaures beaucoup plus petits qui vont survivre à cette crise, mais pas les grands ichthyosaures de 20 mètres de long. Et là, on va avoir un renouvellement faunique avec des nouveaux géants. Alors ces nouveaux géants, vous les connaissez, hein, c'est les sauropodes. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et je vais vous expliquer quelles sont les morphologies, les adaptations que ces animaux vont avoir qui vont leur permettre d'être très grands. Voilà. Je ne vais pas vous dire pourquoi ou comment directement, parce que en science, c'est des questions assez difficiles à répondre, mais on va voir que ben, dès qu'on a un animal de grande taille sur la Terre, on va avoir des adaptations morphologiques particulières. Donc là, je vous montre la différence morphologique, vous voyez, entre un prosauropode qui est bipède et un sauropode. Donc, on va lister ces différences, pardon. Et après, je vais vous les montrer avec des exemples. Donc, la tête devient plus petite par rapport au corps. D'ailleurs, on dit que les stégosaures avaient un cerveau très petit et que par rapport au reste de leur corps, ils avaient un coefficient d'encéphalisation très très bas. Mais en fait, les sauropodes avaient des coefficients d'encéphalisation encore plus bas que les stégosaures. Forcément, puisqu'ils avaient des très petites têtes et ils avaient un corps très très grand. Mais c'est ce qu'il y a une écologie spécifique. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils étaient très bêtes. Hein. Ça, c'est des visions qu'on a. Alors le fémur aussi est plus long que le reste de la jambe, c'est-à-dire que si vous mettez le fémur à côté du reste de la jambe, ben, le fémur sera plus long que le tibia, fibula et que la patte. Le col du fémur est noyé dans la masse de l'os, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le grand dicynodonte. On n'a pas de vraies articulations entre le genou du genou et du coude, hein. On n'a pas cette encoche, vous allez voir, je vous montre un exemple. Les tarses et les carpes sont serrés, là aussi je vais vous expliquer. On va avoir une boule graisseuse sous le pied,
Hein, on va pas avoir des os qui touchent directement le sol. Et on a des sacs aériens dans le squelette axial. Alors, on va passer tout ça en revue. Alors ici, on a le fameux moulage de Dippy. Dippy dont l'original est aux États-Unis et dont il y a eu 11 copies qui ont été livrées à travers le monde. En fait, il y a eu 12 copies, mais il y a une des copies. Le camion arrivé dans un ravin, en fait. Donc on a un squelette en plate de Dippy qui est dans le fond d'un ravin, quelque part dans le monde. Donc il aurait dû avoir 12... Il aurait dû avoir 12 DP, mais il n'y en a que 11. Et donc là, vous voyez que la tête, relativement au corps, est très petite, hein, quand on voyait par rapport à un prosauropode. Sur la droite de l'image, je vous ai mis avec une petite flèche bleue le fémur de l'animal. Donc quand vous comparez la longueur du fémur, un fémur de DP, c'est environ 1m50, voilà. Vous avez le bas du pied qui est beaucoup plus petit. Hein, on voit bien que le tibia fibula est beaucoup moins long que le fémur, et que les pieds n'occupent pas une place très très importante. Et vous voyez que, on va prendre l'articulation du coude comme exemple, on n'a pas de vraies articulations, hein, comme on peut le voir chez les mammifères. Vous voyez en haut, j'ai mis un éléphant avec un numérus qui s'encoche vraiment très bien avec le radius. Et on n'a pas ça, et quand on regarde les articulations, les parties proximales, enfin les parties distales et proximales des os longs des sauropodes, on voit que c'est très spongieux, très peu minéralisé, donc on suppose qu'il y avait beaucoup de cartilage, justement pour amortir les chocs au moment de la marche, pour supporter le poids de ces très gros animaux. Donc ça, c'est des adaptations spécifiques aux sauropodes pour s'adapter, pour pouvoir avoir d'aussi grandes tailles. Alors les sacs aériens, c'est des tissus mous qu'on retrouve chez les oiseaux. Ça leur permet d'avoir une meilleure respiration, et puis ça leur permet d'alléger le corps, puisque ça crée du vide à l'intérieur du corps. Et quand vous irez voir Dippy au Muséum d'Histoire Naturelle, enfin dans les muséums d'Histoire Naturelle dans le monde, et les autres sauropodes présentés, vous verrez, là je vous ai fait une... Vous voyez les vertèbres du cou de cet animal, et vous voyez qu'il y a plein de cavités, de choses comme ça. Ces cavités, en fait, étaient remplies de sacs aériens, ce qui permettait à cet animal de mieux respirer, hein. Surtout qu'un animal qui a un très long cou respire moins bien. Les girafes, par exemple, ont un très grand cou. Et si vous voulez respirer comme une girafe, vous prenez un tuyau d'aspirateur, puis vous respirez dedans toute la journée, vous allez voir ce qu'elle ressent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de girafe en altitude, parce qu'il leur faut des zones très, très oxygénées. Et chez les sauropodes, on a moins ce problème-là, puisqu'ils ont des sacs aériens, ils ont un meilleur rendu d'oxygène grâce à ce système de sacs aériens. Et donc, on a ces sacs aériens qui sont... visible du coup, les traces de ces sacs sont visibles sur les vertèbres, et on voit que sur toute la colonne vertébrale, pratiquement, on a des sacs aériens. Et je vous ai mis à côté une vertèbre dorsale d'un humain, et vous voyez qu'il n'y a pas toutes ces cavités, toutes ces choses-là qui accueillent justement les sacs aériens. Et puis donc, les sacs aériens vont permettre une meilleure respiration, donc d'apporter mieux l'oxygène dans tout le corps de l'animal, mais aussi il va alléger, c'est-à-dire qu'il va alléger le corps de l'animal. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un sauropode, c'est un animal qui a des pattes très très robustes, très très lourdes, pour supporter un corps qui est allégé au maximum par les sacs aériens. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'une structure en alvéole, en fait, par sélection naturelle, va devenir de plus en plus résistante, c'est-à-dire que elle va s'adapter par sélection naturelle à regarder les lignes, les endroits les plus qui permettent une structure solide. Donc faut pas croire que parce que cette structure est pleine de trous, qu'elle est plus fragile. Non, non. Par sélection naturelle, on retrouve ça chez beaucoup d'animaux. On va avoir une structure, on va dire, un peu en cathédrale, en fait, où on voit que les points de pression sont gardés. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de mettre une photo de Maxime, qui déterre un fémur de Thuriazor, hein, l'un des plus grands fémurs de Thuriazor France, 199 cm en tout. Et Maxime, c'est très drôle parce qu'il étudie les microfossiles, donc du coup, lui, il étudie normalement des tout petits fossiles, et là, il a trouvé l'un des plus grands fémurs au monde. Et donc quand on regarde ce fémur par rapport à
un fémur humain que j'ai mis sur la gauche, ben vous voyez que le fémur humain, ben voilà, y a une tête de fémur, il y a un col de fémur, il y a le reste du fémur. Et là, chez les sauropodes, ben on n'a pas non plus ce col de fémur réduit. Il est aussi gros que l'os que le reste du fémur pour pouvoir supporter le poids, en fait. Un peu comme ce que je vous ai montré avec le dicynodonte. Donc voilà, on a vraiment des membres en colonne très très robustes qui sont posés sous le corps. Au niveau des pieds, alors vous voyez bien que les carpes sont en série, voilà, c'est pour ça que je disais série, voilà. Ils se prolongent dans la colonne de la jambe, hein, et en fait, ce sont les carpes et les tarses qui touchent le sol, et les doigts en fait sont marginaux, ils ne touchent plus vraiment le sol, et on a comme preuve de cette forme arrondie, c'est que les traces de pas de sauropodes forment toujours des cercles. La plupart du temps, ça forme des cercles. Et ça, c'est lié à cette boule graisseuse. Alors, on n'a pas de reste fossile de cette boule graisseuse, mais par rapport à la position des doigts de l'animal, des métacarpes, de ces animaux-là, on sait qu'il y avait cette boule graisseuse. Et s'il n'y avait pas cette boule graisseuse, on aurait eu des traces directement des os comme empreinte. Et là, on a vraiment à chaque fois un cercle sur les empreintes. Et là, vous voyez, c'est des empreintes. Alors, c'est pas un sauropode qui s'amusait à grimper sur les murs, hein, c'est juste les effets de la tectonique qui a fait que cette zone au Crétacé était plane et qui est assez surélevée. Et vous voyez sur ces traces boliviennes qu'elles sont toutes rondes en fait. Et si vous allez à la Plagne en France, la fameuse trace de pas, l'une des plus longues du monde, vous verrez aussi que les traces de pas de sauropodes sont circulaires. Voilà. Et ça, c'est à cause de ce coussinet qui absorbait le choc. Coussinet qu'on va retrouver chez d'autres animaux, vous allez voir. Alors en milieu marin, au Jurassique, on a aussi une très très grosse bestiole, c'est l'Idictis. L'Idictis qui veut dire le poisson de Litz. Et l'Idictis, en fait, c'est l'un des rares animaux du Mésozoïque qui est connu pour être filtreur. Et pourtant, il y avait beaucoup de plancton à l'époque, hein, et beaucoup de zooplancton, de phytoplancton, mais on n'a pas de reste de gros animaux filtreurs. Alors, est-ce que c'était des animaux à tissu mou comme les céphalopodes? On ne sait pas, mais le plus grand connu, qui est estimé à 20 mètres aussi, et puis bon, on est entre 15 et 20 mètres maintenant, c'est l'Idictis. C'est assez étrange, puisque bon, les cétacés ont pris cette niche écologique, et vous avez vu le succès des cétacés à filtrer en termes de taille. Voilà. Donc on a quand même des poissons filtreurs connus au Jurassique. Alors au Crétacé, je vais pas rester très très longtemps sur le Crétacé parce que on a à peu près les mêmes types d'animaux qu'au Jurassique. Hein. On a des grands sauropodes, on a par contre on a des théropodes de très très grande taille. Là je vous ai mis en exemple le fémur de Big Al, donc qui est l'un des plus grands. Des plus grands allosaures jamais connus, et un fémur de T-Rex, et vous voyez que quand on gagne en taille, le poids est très très important, et on a quand même une valeur relative de l'os qui s'élargit, qui devient beaucoup plus robuste. Donc plus on devient gros, plus on a besoin d'avoir des os très très robustes pour soutenir le poids de son corps. Les théropodes, eux aussi, ont des sacs aériens, puisque chez les oiseaux, il y a encore des sacs aériens. Donc chez le T-Rex, on peut voir des sacs aériens. Et donc on a quand même voilà, cet allègement du corps avec des pattes très très robustes pour soutenir tout ce poids. Donc là aussi, je voulais vous montrer justement cet exemple chez les théropodes, parce qu'on le trouve aussi... Enfin, je vous l'ai montré chez les sauropodes, et on le voit quand même en moindre mesure, hein, parce que là, on voit qu'il y a quand même un col de fémur beaucoup plus marqué... On le voit aussi chez les théropodes, cet accroissement de la taille relative, cette épaisseur relative des os longs pour supporter le poids du corps. Alors au Crétacé, on a aussi les ptérosaures qui vont devenir de plus en plus grands. Hein. Au Trias et au Jurassique, les ptérosaures sont surtout au Jurassique, sont de belle taille, mais au Crétacé, là, on bat tous les records. Et là, vous avez un ptérosaure géant, et Quetzalcoatlus, hein. Alors c'est une image qui vient de Paléopolis, donc je vous invite à aller à Paléopolis pendant l'été, comme ça
On se verra avec la paléosphère, la paléopolis, et j'y serai à la toute fin aussi avec Graines de Savoir. Et vous avez une reconstitution de Quetzalcoatlus qui est, voilà, on voit bien que cet animal est vraiment très très impressionnant. Et là, vous allez me dire, bah oui, c'est un animal qui vole. Et effectivement, bah, comment on peut atteindre des tailles aussi grandes pour un animal qui fait pratiquement la hauteur d'une girafe et puis une envergure de 10 à 12 mètres de long, comment cet animal peut se permettre de décoller? Alors tout simplement, c'est un animal qui a aussi des sacs aériens. Donc du coup, ça permet l'allègement du corps, hein, comme chez les oiseaux. Et comme chez les oiseaux, les os sont creux. Alors malheureusement, j'ai pas retrouvé la photo, et c'était un spécimen qui était au muséum de Rio, donc le muséum qui a brûlé. Et il y avait un spécimen d'un très grand ptérosaure qui devait faire... entre 3-4 mètres d'envergure, la taille d'un pteranodon. Et on voyait que on voyait des morceaux cassés des os longs, et on voyait que la paroi des os était vraiment très très fine. Donc l'intérieur des os est très très creux. Donc on a des os creux, on a des sacs aériens, et donc tout ça permettait au ptérosaure d'avoir des tailles assez impressionnantes, c'est-à-dire des envergures d'environ 12 mètres et une hauteur, quand on est assis au sol, comparable à celle d'une girafe. Voilà, je vous invite. Alors, à Paléopolis, c'est un moulage, bien sûr, hein. Il n'y a pas de grand ptérosaure aussi complet. Mais ça vous donnait une idée un petit peu de la taille de l'animal au repos sur le sol. Alors, au Paléocène, on a la fameuse crise Crétacé-Tertiaire. Et au tout début du Paléocène, alors on a... pas du tout on n'a pas de très gros animaux. Les herpétofans vont me tirer un petit peu les oreilles et ils vont me dire s'il y avait Titanoboa. Effectivement, c'est la première fois qu'on a un lézard, hein, parce que les serpents sont des lézards. On a des squamates qui vont atteindre des grandes tailles, et Titanoboa va profiter du fait que le Paléocène est une période très très chaude, c'est l'une des périodes les plus chaudes de la planète avec l'Éocène. Ça va lui permettre d'acquérir une grande taille. Donc c'est un animal qu'on suppose qui vivait comme les anacondas et qui pouvait atteindre une taille de 13 mètres de long pour une tonne. On a aussi des gros serpents à l'Éocène, mais ils vont atteindre une dizaine de mètres de long, pas plus. Donc voilà, on a au Paléocène l'exception d'un animal de grande taille, alors que la plupart des animaux vont pas dépasser la taille d'une vache, à part pour aussi les grands oiseaux aptères comme les diatrimas et les gastornis. Et on a aussi des crocodiles qui pouvaient atteindre entre 5 et 6 mètres de long à cette période. Mais chez les vertébrés terrestres, on a, enfin totalement terrestres, on a peu d'animaux de très très grande taille. Ça va vite changer à l'Éocène. Et à l'Éocène, on va avoir. Alors, celui qui est en bas, Arsinoitherium, est un animal qui est surtout connu à l'Oligocène, mais on a quelques représentants à l'Éocène. Et on va avoir des animaux qui vont aussi respecter certaines, on va dire, règles de la graviportalité. Si vous regardez les deux animaux du bas, Arsinoitherium et Dinoceras, vous verrez que là aussi, on a le fémur qui est plus long que le reste de la jambe. Donc voilà, et vous voyez que on n'a pas vraiment non plus de col de fémur, hein. Ce col du fémur est encore noyé dans le fémur, et on va avoir un bassin arrondi, et vous voyez que la tête du fémur, en fait, n'est pas sur le côté, mais elle est vraiment sous le bassin, et le condyle qui accueille le bassin, qui accueille la tête du le condyle du bassin qui accueille la tête du fémur est à l'horizontale, alors que vous verrez par exemple chez un humain, il est à la verticale, car les os sont légèrement sur le côté. Ça, c'est l'une des caractères de la position graviportale, c'est d'avoir cet os en colonne sous le bassin. Et puis quand on regarde le membre avant, on voit que l'omoplate, lui aussi, est bien situé vraiment au-dessus de l'humérus. Alors, chez les brontontères, l'animal qui est au-dessus, on n'a pas vraiment ce type de graviportalité, on reste sur un animal dont la cavité qui va accueillir la tête du fémur sur le bassin est pas à la verticale, mais pas non plus à l'horizontale, mais plutôt en diagonale, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez les rhinocéros. Et on va pas avoir
un comment dire un forcément un fémur qui va faire plus de la moitié de la longueur de la jambe. Et ce qui est très important par contre, c'est que chez tous ces animaux, on va avoir une adaptation vraiment intéressante, c'est que le bassin sera en forme de demi-cercle, c'est-à-dire que la partie haute du bassin va vraiment s'élargir. Donc là, je vous ai mis sur le premier dessin un bassin de mammouth, le bassin de dinocéras et un bassin de rhinocéros. Donc vous voyez dans les deux premiers cas que on a un bassin semi-circulaire, hein, la forme générale est semi-circulaire. Et on l'a aussi chez les rhinocéros. Par contre, chez les rhinocéros, quand on regarde le condyle qui accueille le bassin, il est en diagonale. Il n'est ni à la verticale, ni à l'horizontale. Alors que chez les deux premiers protagonistes, chez le mammouth et le dinocéras au milieu, on a vraiment ce condyle qui est à l'horizontale. Et je vous ai mis en exemple un cerf. Vous voyez que le bassin du cerf n'est pas du tout, en bas à gauche, n'est pas du tout en forme de demi-cercle. Et ce qu'on peut voir chez des cerfs comme Megaceros, hein, c'était des cerfs de très grande taille, hein, qui pouvaient faire 2 mètres au garrot. Et on a aussi le bassin, la reconstitution d'un bassin de cheval aussi, qui est pas du tout en demi-cercle. Et on voit bien que les fémurs sont vraiment sur le côté et pas posés sous l'animal. Donc vous voyez quand on commence à devenir des animaux très très lourds et de très grande taille, on a cette forme typique de demi-cercle. Et ces os en colonne sous le bassin. Alors on va passer à l'oligocène. Et à l'oligocène, on va avoir Paraceratérium, connu aussi sous le nom d'Indricotérium et Baluchitérium. Et Paraceratérium, lui, il est assez marrant parce que il respecte pas vraiment ces règles de graviportalité qu'on retrouve chez les sauropodes, qu'on va retrouver chez les éléphants et qu'on va retrouver chez les animaux que je vous ai présentés précédemment. Et on va avoir un numérus très 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 court par rapport au reste de la jambe. Et ça, c'est typique des animaux coureurs comme les chevaux. Et on va avoir un fémur qui est très long, mais qui fait pas encore plus de, enfin qui fait pas plus de la moitié de la jambe. Et on va avoir un bassin circulaire, comme chez les animaux que je vous ai montrés, mais pas aussi large. Et donc du coup, on a un animal qui, on va dire, qui défie pas les lois de la gravité, mais qui défie les lois de la graviportalité et qui respecte pas toutes les règles de graviportalité, ce qui montre bien que la nature, nous on crée des règles pour pouvoir comprendre la nature, mais il y a toujours des animaux pour défier ces règles là. C'est-à-dire qu'on va avoir un animal qui est le plus grand mammifère terrestre de tous les temps, mais qui va s'adapter autrement pour atteindre ce gigantisme. Alors je vous ai dit que l'humérus était typique des animaux coureurs comme les chevaux, mais ça ne veut pas dire non plus que Paraceratérium était un grand coureur. C'est juste que la nature s'adapte toujours avec ce qu'elle a à la base, et donc à la base il avait ce type de morphologie, et avec ce type de morphologie il a créé un animal de cette grandeur là. Alors Paraceratérium, il a quand même des adaptations typiques de grands animaux. Alors il n'a pas le pied qui forme un cercle, il a 3 doigts qui touchent le sol, et quand on voit les traces de pas de ces animaux, on voit vraiment les 3 doigts. Il y a un documentaire sur les traces des géants où on voit un paléontologue qui va à la rencontre de Paraceratérium, et on voit vraiment ces traces de pas qui ont vraiment 3 doigts qui touchent le sol, et ces 3 doigts arrondis, parce qu'on suppose aussi que là aussi il y avait un coussinet graisseux sous la patte pour supporter le poids. Et on a encore ce bassin en forme de demi-cercle, hein. Et on a le fémur avec ce col qui est encore noyé dans l'os. Donc on a un animal qui respecte entre guillemets certaines règles de la graviportalité, mais qui n'en respecte pas d'autres, et qui malgré ça est très très grand. Ce qui veut dire que on aurait pu avoir des animaux encore plus grands, parce qu'un Paraceratérium c'est 11 mètres de long, c'est 5 mètres de haut au garrot, c'est un animal qui faisait la taille de la plupart des grands dinosaures, à part certains hadrosauridés et à part certains sauropodes. On n'avait pas plus grand chez les dinosaures, c'est à dire que ça faisait quasiment la taille d'un T-Rex en termes de longueur et de hauteur, et même de hauteur c'était plus grand qu'un T-Rex. Donc voilà, on a un mammifère qui fait la taille d'un T-Rex, qui fait la taille d'un grand dinosaure, qui n'a pas l'influence de la Lune, hein, comme je disais tout à l'heure, l'influence de la Lune n'a jamais eu d'importance
sur la taille de ces animaux-là. On n'a pas des taux d'oxygène délirants comme au Carbonifère, et pourtant d'un animal qui fait la taille d'un dinosaure. 30 millions d'années après la disparition des dinosaures. Alors j'aurais pu parler des proboscidiens un petit peu avant, mais bon, on va dire que chaque époque son grand vertébré. Et le Miocène, là on va avoir beaucoup de proboscidiens. Et donc là, on va avoir aussi des caractéristiques typiques chez ces animaux-là. On va avoir un crâne alvéolé, je vais vous montrer ce que c'est. On va avoir toujours ce bassin arrondi. Là, je vous ai mis un bassin d'archéobélodon, qui est le deuxième ou troisième proboscidien fossile connu, qu'on appelait mastodonte de Cuvier aussi, et qui était l'un des plus complets à l'époque. Le constyle du bassin, comme je vous disais, est toujours la tête de fémur est à l'horizontale. Là ici, il est un petit peu en diagonale chez Archéobélodon parce que c'est un animal qui était pas extrêmement grand. Donc, on a aussi de la variabilité chez les proboscidiens pour accueillir cette tête de fémur et la plupart du temps quand même la tête de fémur est vraiment sous le bassin. Et on a le condyle qui est vraiment à l'horizontale dans la plupart des cas, mais comme ici, on a une exception. Le fémur, dans tous les cas, est plus long que le reste de la jambe. Ça se voit bien sur l'illustration du squelette de mammouth qui est en bas. On a une boule graisseuse sous le pied, donc ça, c'est valide. On le sait. Là, on a des animaux chez les éléphants d'Asie et chez les éléphants d'Afrique. On a cette boule graisseuse sous le pied et on la connaît. Et on a encore ce col du fémur qui est noyé dans l'os, hein, qui fait la taille pratiquement de l'humérus. Et on a cette tête de fémur qui est vraiment très très haute pour mettre le membre vraiment en colonne sous le bassin. Alors je vous ai mis une illustration en bas, on a trois fémurs différents. Alors si je me trompe pas, en premier on a un éléphant d'Asie, au milieu on a un mastodonte, et en troisième, on a un mammouth de Sibérie. Donc vous voyez qu'à chaque fois, la tête du fémur est vraiment très très haute pour pouvoir se mettre sous le bassin. Alors voilà, un crâne en coupe sagittale d'éléphant. Il y a plusieurs musées où vous pouvez voir cette coupe sagittale de proboscidien. Dans la galerie d'anatomie comparée à Paris, vous avez dans une vitrine, si vous la trouvez, cette coupe où on voit justement les alvéoles à l'intérieur du crâne. Alors c'est pas des sacs aériens, mais ça permet d'alléger le crâne, parce que si vous avez des structures alvéolées, ça permet d'avoir de l'air à l'intérieur. Alors là c'est pas de l'air qui est relié au poumon, qui permet. Voilà, c'est vraiment de l'air enfermé dans l'os. Cette structure permet vraiment d'alléger fortement le crâne, puisque le crâne de l'éléphant est vraiment très très massif, très très lourd. Et donc il faut pouvoir supporter ce crâne. Vous voyez qu'il y a plein d'alvéoles à l'intérieur de ce crâne pour pouvoir l'alléger au maximum. Alors justement, on va parler d'organes télescopiques, que ça soit la trompe ou le cou. Ces animaux-là, en fait, surtout quand on a des animaux endothermes, homéothermes, c'est des animaux qui vont demander une grande consommation de plantes pour avoir beaucoup d'énergie, parce que ces animaux-là vont demander une grande masse d'énergie. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un organe télescopique, qui soit la trompe ou le cou, pour pouvoir pour pouvoir manger des plantes en faisant un minimum de mouvement. C'est-à-dire qu'un éléphant, il a une grosse tête et il a une grosse mâchoire, mais il faut qu'il puisse ramener ses plantes à sa mâchoire en faisant un minimum d'effort. Donc la trompe lui permet justement d'aller chercher des plantes tout autour de lui, que ça soit au sol ou en hauteur. Alors là, c'est un exemple extrême sur la photo. Hein. Ça lui permet de les mettre en bouche. Les animaux qui ont un cou relativement long, comme le Paraceratherium, où là on a un exemple extrême avec les sauropodes, permet lui aussi d'atteindre des cimes où il y a beaucoup de feuilles, parce que les autres animaux terrestres au sol peuvent pas les atteindre. Et puis ils peuvent un peu rayonner sur le côté pour pouvoir manger les plantes qui sont autour de lui. Donc en fait, un sauropode qui a un cou, on va dire, pour un thuriasaure, on va dire un cou qui fera presque une dizaine de mètres,
j'exagère un peu, eh ben, il a un rayon de pratiquement 10 mètres autour de lui pour pouvoir manger. Alors, il va pas mettre son cou à 90 degrés hein, sur le côté, ça n'a pas de sens. Mais sur un angle de 30 à 45 degrés autour de lui, il pourra manger toutes les plantes en déplaçant simplement sa tête. Donc, ce qui est une économie d'énergie très très importante pour un animal qui, vu qu'il est de grande taille, demande vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir vivre. Alors, on s'est posé la question, bah, du coup, si ces animaux-là peuvent manger des plantes, même sans sac aérien, sont pas, comment dire, peuvent atteindre des tailles assez impressionnantes, équivalentes à celles de dinosaures, pourquoi ces animaux-là n'ont pas réussi à devenir encore de plus en plus grands, parce que bon, les proboscidiens sont de belle taille depuis plus de 30 millions d'années, donc pourquoi ils n'ont pas réussi? Ben, on suppose que chez les mammifères, il y a une très grosse contrainte, c'est la gestation. Ça veut dire que quand vous allez avoir un petit, ben, il est à l'intérieur de votre corps. C'est une technique pour protéger de gestation. Sauf que ben, ça crée du poids, ça crée de la masse. Et donc, ça joue sur vos membres. Hein, et vous avez du mal à supporter. Ces animaux-là ont du mal à supporter cela. Alors que chez les sauropodes, on pond des œufs. Et des œufs de petite taille, hein, relativement de petite taille par rapport à l'animal. Donc, quand cet animal produit des œufs en grand nombre, soit, il les laisse au sol, il laisse les animaux se débrouiller. Sauf que chez les mammifères de grande taille, là, on va devoir prendre soin du petit. On va avoir des gestations très très longues, hein, qui vont durer plus d'un an. Et donc, du coup, on va avoir ce poids qui va peser chez ces animaux-là et qui va empêcher quelque part d'avoir des tailles beaucoup plus grandes. Donc, la gestation quelque part est une contrainte. Une forme de contrainte pour avoir des tailles de plus en plus grandes chez les mammifères terrestres. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette graviportalité chez certains animaux, on la connaît donc chez les sauropodes, on la connaît aussi chez les stégosaures. J'en reparlerai peut-être, je ferai peut-être une conférence sur les stégosaures. Et chez les mammouths de petite taille, hein, les fameux mammouths nains qu'on retrouve dans les îles de Méditerranée, comme la Sardaigne par exemple, eh ben on garde toujours ce ratio fémur plus long que le reste de la jambe. On a toujours ce condyle du bassin qui accueille la tête du fémur qui est à l'horizontale pour des animaux très petits. Donc j'ai pas vraiment de réponse. On retrouve aussi ça chez les sauropodes de petite taille. Hein. Il y a du nanisme insulaire chez les sauropodes européens au Jurassique ou au Crétacé, et on retrouve justement encore ce schéma où on a le fémur plus long que le reste de la jambe. Et donc du coup, je pourrais pas trop vous dire pourquoi on garde cette graviportalité pour des animaux qu'on n'aura peut-être plus besoin, mais en tout cas, elle reste à chaque fois qu'on a un exemple d'animal qui avait une graviportalité quand il était grand, et quand il devient petit, il garde encore cette graviportalité. C'est un phénomène étonnant. J'ai pas d'explication, mais en tout cas, ces ratios-là, cette forme du bassin reste chez ces animaux-là. Alors, j'ai sauté la période du Pliocène parce qu'on va retrouver pratiquement les mêmes animaux qu'au Miocène en termes de grande taille. Hein, ça sera surtout des proboscidiens. Et on va parler de diprotodons. Alors, diprotodons, c'est le plus grand des marsupiaux connus. Et lui aussi, il respecte certaines règles de la graviportalité. Hein, il a le bassin arrondi. Il a le fémur qui est plus long que le reste de la jambe. Et par contre, il a une forme de pied tout à fait unique. C'est un peu si on considérait que la graviportalité était une armée, diprotodon serait réformé parce qu'il aurait il a les pieds plats. Et donc du coup, c'est une morphologie qui est assez étonnante pour un animal qui faisait la taille d'un gros rhinocéros, hein, et il avait vraiment le pied plat. Alors j'ai pris l'image de droite sur le site Reptile Evolution. Donc ne faites jamais ça. Je l'ai fait parce que je connais très très bien les pieds de ces animaux-là, et j'ai vu que là l'image correspondait vraiment à un pied de diprotodon, mais la page internet Reptile Evolution, c'est vraiment une hérésie. Donc évitez de faire ce que j'ai fait, évitez de prendre des images sur Reptile Evolution parce que vous risquez de vous faire avoir. Là c'est un animal que je connais bien, donc du coup je me suis permis de faire cela pour vous montrer effectivement cette
forme de pied totalement what the fuck de l'animal. Et voilà. Donc là encore, on a une preuve que nous, on fait des règles de graviportalité et que la nature s'en fiche un petit peu et que à chaque fois, par rapport à l'animal, elle trouve une adaptation pour pouvoir devenir grande de façon très différente d'autres animaux. D'ailleurs, en termes d'adaptation du pied, on va finir avec le mégatherium, hein, et toujours au Pléistocène. Alors, le mégatherium, il appartient à une famille qui s'appelle les xénarthres, qui veut dire vertèbre étrange, parce qu'il y a une... les vertèbres sont très très bizarres, il y a une double articulation de la vertèbre chez ces animaux-là. C'est comme ça qu'on peut réunir chez ce groupe les paresseux, les fourmiliers et les tatous. Et cet animal-là, lui aussi, va pas avoir des pieds très très adaptés à la marche au sol, hein. On le voit chez le fourmilier, il marche un petit peu sur les poignets, sur voilà, un peu à la façon des gorilles. Et en fait, c'était aussi le cas chez le mégatherium. Le mégatherium marchait un peu sur le côté du pied. Et on voit que malgré le fait que c'est un animal qui pouvait pratiquement faire la taille d'un éléphant, on a sur les mains et sur les pieds un animal qui marchait sur le côté de ses pattes. Et là aussi, on va avoir pas forcément un fémur qui fait la moitié de la taille du pied, mais qui sera beaucoup plus petit, mais qui sera très très robuste, un peu comme chez les dicynodontes. Et il va avoir aussi ce bassin en forme de demi-cercle qui permet de soutenir le poids du corps. Donc là aussi, on a une méthode pour devenir très grand, c'est-à-dire que même si on n'a pas un fémur très très long, on va avoir un pied on va avoir une jambe très très large, vraiment très très large. Je ne veux pas dire que l'humérus est aussi large que long, le fémur est aussi large que long, pardon, mais on y est presque. Hein. Ça fait un beau rectangle, voilà, très très large. Et ça nous fait un beau pavé droit, comme on disait en cours de technologie dans les années 90. Et on a ce bassin semi-circulaire encore qui soutient encore le reste du corps. Donc voilà, on a, on va dire chez ces animaux-là, on a chez ces animaux-là une adaptation qui est aussi très peu classique. Hein. On va voir aussi que les os du pied sont adaptés à cette marche, et on va avoir des astragales, des calcanéums avec des formes très très étranges par rapport aux autres animaux, et ce qui va permettre d'atteindre des tailles aussi grandes, mais pas du tout à la façon des éléphants avec ou des sauropodes avec des carpes, des tarses serrées en série. Et voilà, on a vraiment une adaptation morphologique spécifique pour devenir un animal de très grande taille. Alors, je me suis un petit peu spoilé avec la diapo. Je voulais quand même vous présenter la baleine bleue, qui est quand même le plus grand vertébré de tous les temps. La baleine bleue, c'est un animal qui, je crois que le plus grand péché, malheureusement, c'est 35 mètres de long. Donc c'est un animal qui faisait 35 mètres de long. En termes de volume, c'est plus grand que n'importe quel vertébré terrestre. Et là aussi, la baleine bleue détient un record, c'est que le plus grand os chez un vertébré terrestre, c'est celui d'Anjac, hein. C'est un bout d'os, un bout de fémur. S'il est reconstitué, ça donnera un fémur de 2,60 m. Et c'est rien du tout par rapport à la mandibule de la baleine, puisque la mandibule de la baleine peut atteindre plus de 4 mètres de long, voire 6 mètres de long, juste pour un seul os. Donc la baleine bleue, c'est le plus grand vertébré connu de tous les temps, et c'est lui qui a le plus gros os aussi connu. Donc voilà, si on parle de gigantisme, alors lui, justement, comme tous les autres animaux, c'est parce qu'il vit dans l'eau qu'il peut se permettre d'être aussi grand. Voilà, puisque c'est d'autres contraintes, comme je disais, que sur la Terre. Donc le plus gros animal, c'est la baleine bleue. Donc en conclusion, je vous ai mis 4 animaux représentatifs du gigantisme terrestre. Donc on a les éléphants qui vont avoir une grande série d'adaptations pour le milieu terrestre. On va avoir les sauropodes qui ont pratiquement ces adaptations-là et qui ont en plus comme avantage d'avoir des sacs aériens et d'avoir un système de gestation qui pose moins de contraintes.
Et malgré ces contraintes mammaliennes, on va quand même avoir des animaux comme le Paraceratherium qui vont battre des records de taille en ne respectant pas, je dis toujours ça entre guillemets, en ne respectant pas toutes les règles, on va dire, de gravimortalité, et en un animal qui est capable d'être plus grand, plus haut au moins qu'un T-Rex. Voilà. Donc le gigantisme, ce qu'il faut retenir, c'est que le gigantisme chez les animaux terrestres peut se faire de façon très différente. C'est pas du tout lié à l'oxygène ou c'est pas du tout lié à la lune, hein. Ça, j'insiste vraiment dessus parce que souvent dans les conférences, il y a toujours quelqu'un pour poser cette question-là. Et donc c'est vraiment des adaptations qui sont liées, des adaptations biomécaniques, hein, qui permettent d'avoir des tailles aussi grandes. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir suivi la conférence.